un moyen imparable pour ne plus te tromper dans les nombres et les chiffres en anglais. C'est le thème de cette vidéo, mais avant que je t'en dise plus, tu peux t'abonner. Ici, tu as peut-être un bouton dans cette région-là, tu cliques sur la cloche et sur subscribe, t'abonner. Sinon, tu peux aussi dérouler la description, tu auras un autre bouton, tu pourras t'abonner si tu es sur mobile. Et n'oublie pas de télécharger gratuitement ton guide vidéo gratuit et complet pour enfin parler anglais. Si tu désires tenir une conversation simple, si tu désires fluidifier ton discours et pratiquer l'anglais tous les jours avec des anglophones, eh ben, j'ai une solution pour toi. Quel que soit ton niveau, même si tu repars de zéro ou si déjà tu as un niveau avancé, tu cliques dans la description sur le premier lien, tu mets ton email, ton prénom, je t'envoie tout ça gratuitement, tu pourras progresser et avoir des conseils pour mieux prononcer les mots, accentuer les mots anglais de la bonne manière et surtout fluidifier ton discours. C'est ici gratuit, c'est en bon. Alors revenons à notre thème de comment faire pour avoir ce conseil imparable pour ne plus se tromper dans les numéros en anglais. Alors c'est plutôt facile, dirais-je. On va prendre le mot green, vert. On voit que ça se termine par 2 en, green. Bon, ça tu dois connaître. Et ruby, donc ruby, couleur plutôt ocre ou rouge. Et ça finit par y. Et je réalise que, alors que j'enseigne les chiffres à pas mal d'apprenants, à mes coachés, à l'université, dans différents situation, les chiffres sont souvent sujets à beaucoup de confusion, de problèmes, d'erreurs chez les Français. Et une bonne fois pour toutes, les chiffres de 13 à 19, ça finit par in comme green, d'où la couleur verte green, et les 20, les dizaines, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ça finit par y, ruby. Donc il y a deux colonnes de manière mnémotechnique à se souvenir, green, ruby. Ça veut dire que 13 c'est 13, 14 c'est 14. Regarde bien que là tu as un U que ici tu ne retrouves pas. 40, 40 c'est F-O-R. 15, 15, tu vois que c'est pas 5 comme 5, c'est 15, 16. Là c'est plutôt, on revient sur un modèle classique du 6 comme 6, 16. 17, 18, 19. Donc tous les mots de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 terminent par in. Tu as juste donc ces petites exceptions parce que 7 c'est comme 7, 8 c'est comme 8, 9 c'est comme 9, 6 c'est comme 6. Cependant, 5 c'est pas comme 5, donc il faudrait juste changer de 5 à 15. 4 c'est comme le 4 et 13 on n'a pas 3. Donc, je ne sais pas si tu me suis, mais c'est important de réaliser qu'il y a des différences entre le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, il y en a deux là qui se baladent qui sont 11 et 12. Et juste pour réaliser qu'il y en a 1 et 2 dans la série là qui ne sont pas pareils que leur, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc voilà pour le début. Green, tu termines par 13, in. Ici, ruby, donc on a, j'ai mis la couleur rouge pour 20, 20, 30, donc là on a pareil, 13, 30, 14, le U disparaît, 40, 50, 6, 60, 7, 70, 8, c'est pareil, sauf que c'est mis par Y, et forcément 90. Attention, le 8, c'est bien E-I-G-H-T. Moyen mnémotechnique numéro 3, en fait 3, pas 2, 3, parce que c'est green, in, ruby, i. Troisième moyen mnémotechnique, c'est que pour écrire 8, c'est bien E-I-G-H-T. G-H-T, G-H-T, un nouveau téléphone, G-H-T, et pas G-T-H ou T-G-H, 8, c'est comme ça que ça s'écrit. Ça, c'est deux moyens mnémotechniques qui marchent, qui te permettront de parler de ton âge, qui permettront de parler de ton adresse, qui permettront de parler du nombre de fois que tu as fait quelque chose, que tu as visité, le nombre d'enfants, bon, ça ferait beaucoup si on est dans ces colonnes-là, le nombre de petits-enfants, c'est tout à fait possible. Donc voilà, les chiffres de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc de 1 à 12, je ne les mets pas parce qu'ils sont plus connus, tout ça pour dire que voici ce qui se passe pour de 13 jusqu'à 99. Donc 90, si on veut faire 99, on rajoute 99. Ensuite, on continue 100, 100, 100. On peut dire 100 parce que E ça veut dire 1. Si jamais on veut mettre 4000,
Bon, j'ai pas mis à chaque fois 1000 parce que en fait, ça, on peut, je te montre que ça change. C'est 4000. 4000. 1000, ce serait bien sûr 1000. Ici, c'est 4000. Ok. 100 000. Bah, 100, 100 plus 1000. 100,000. Ensuite, 1 million. 1 million. Bah, plutôt logique parce qu'en fait, c'est pareil en français. 1 billion, c'est 1 milliard. Et 1 trillion, c'est, je ne sais pas comment dire en français, des trilliards, j'imagine. Donc, c'est encore au-dessus. 1 trillion, 1 billion, 1 million, 100,000, 4,000. Et bien sûr, si jamais on mettait 9 millions, ça donnerait 9 million. Important. Réalise bien que les chiffres sont invariables. Alors, je vais quand même noter parce que je sens qu'il faudrait que je fasse 1, 2, 3, un H, c'est pas tree. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ensuite 11 et 12. Donc souvent, 12 et 20 sont inversés chez beaucoup d'apprenants. Donc 20, on est dans le ruby, et 12. Et ici, in pour cette colonne-là. Voilà, voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu en sais plus sur les chiffres, que tu ne te tromperas plus. On va avoir une deuxième vidéo où tu vas pouvoir t'entraîner. Je te retrouve d'ici quelques jours pour la suite. N'oublie pas de repartir en t'abonnant ici et aussi de repartir avec ton guide vidéo complet gratuit pour enfin parler anglais. Parce qu'une langue, ça se parle. Have a lovely day. Bye bye.